Glowing Fury! Mes amis, ici Captain Hype, toujours accompagné d'Enzul. Re. Et bienvenue dans cette seconde vidéo sur Petscope qui traitera des épisodes 7 à 11. Pif paf pouf, c'est moi, Hype du futur. Alors, j'interviens parce qu'en effet, les plans étaient de traiter Petscope 7 à 11, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'on va faire, parce qu'au final, ça faisait une vidéo de quasiment une heure, et pour le coup, ça fait un peu long, malheureusement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la vidéo que ça donnait en deux, une partie sur les épisodes 7 à 10, et une seconde sur Petscope 11 uniquement. Parce que c'est très long, PSOP 11. La première partie, vous l'avez maintenant, donc, et la suivante, vous l'aurez dans quelques jours. Du coup, voilà, gardez en tête que pendant toute cette vidéo, quand on parle du MBT suivant, entre guillemets, on parle de celui qui viendra plus tard, celui à partir de PSOP 12, et quand on parle de plus loin dans la vidéo, parfois, on se réfère à PSOP 11, et donc, c'est pas la même vidéo, au final. Voilà, quoi qu'il en soit, on va reprendre, donc bonne vidéo à tous. Si vous n'avez pas vu la première ou que vous avez du mal à vous souvenir de tout ça parce que ça fait un certain temps, nous vous invitons à aller la voir ou la revoir parce que c'est important pour que vous compreniez bien tout ce qui va suivre à nouveau. En tout cas, elle est dans les fiches en haut à droite de votre écran. Et on vous encourage évidemment toujours aussi à voir Petscope de votre côté parce que c'est franchement génial. Et puis sinon, on va continuer sans plus tarder, je pense. Je t'en prie, Enzul. Alors c'est parti. La dernière fois, nous avions discuté de Petscope 1 à 6 et avions conclu que ce jeu, surtout dans la partie qu'il cache, et que notre protagoniste Paul a rejoint, avait clairement été créé pour une personne en particulier, qui ne nous est pas forcément encore connue, et dans le but à minima de retransmettre une histoire de façon thématique et indirecte qui semblait mettre en scène la maltraitance d'enfants et de rites étranges à des histoires de renaissance. Tout ceci à travers 6 personnages principaux. Kerr, une jeune fille semblant avoir été maltraitée, son père, celui qui semble être l'auteur de ses maltraitances, sa mère, qui n'a pour l'instant pas de lien direct à l'histoire, Mike, un garçon décédé potentiellement de maltraitance, Tiara, une fille ou femme semblant liée aux histoires de renaissance, et l'auteur, celui qui a créé le jeu et le message qu'il contient. Nous reprenons donc Paul un peu plus tard, alors qu'il a maintenant exploré, semble-t-il, la totalité de ce qui lui était accessible, pour que les choses se corsent enfin dans Petscope 7, sorti 9 jours après l'épisode précédent, le 29 avril 2017. La vidéo commence alors que notre protagoniste semble manipuler du papier, probablement des notes, en laissant le jeu tourner dans la Quitter's Room, dont l'horloge affiche 6h30. Il est soudainement interrompu par une musique similaire à celle entendue dans Petscope 2, mais bien plus longue, semblant venir du côté nord normal de la salle. Lorsqu'il s'approche, son reflet, qu'on avait nommé Quitter Newmaker, est totalement absent. Au bout d'un moment, la musique s'arrête et Quitter Newmaker réapparaît soudainement pour suivre à nouveau les mouvements de Paul sans plus d'explications. En inspectant la note qui disait « Te souviens-tu être né ?», il remarque une phrase supplémentaire écrite en rose et en majuscule, comme le texte de Tool Rose qui dit « Viens par ici ». Paul décide immédiatement de rejoindre Tool, qui est en effet rose, celui-ci écrit déjà sans qu'on lui ait posé de questions. Il dit la chose suivante « Je t'aime Newmaker, s'il te plaît, montre à Marvin où est sa maison. » Puis en lui demandant « Qui es-tu ?», il répond « Vas-y et il te suivra, sa fille est là-bas. » Et ensuite « Veux aussi 1000 pièces pour machine au-delà des escaliers du sous-sol de l'école. » Tool redevient ensuite rouge. Paul retourne à la Child Library et tente de poser les animaux qu'il a en sa possession. Suivant le message de pause, ramène-les à la maison, mais sans succès. Il lit au passage la description de Pen qui dit « Pen est une mathématicienne en herbe. Elle est totalement sourde. Elle ne sait même pas ce qu'elles font, encore moins la musique. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. » en référence au fait qu'on la trouve sur un piano. Il se met ensuite à tenter des choses assez expérimentales à la Child's Library, se basant sur le fait que le père de Kerr était satisfait que sa fille n'ait pas de sourcils, il dessine le visage de Mike sans sourcils, ce qui fait également écho, on en reparlera, à la pince à épiler qu'on pouvait trouver dans sa chambre. La chambre est jaune, les murs possèdent des manettes et des étoiles, le sol des cadeaux, des routes et des étoiles. Les objets sont une voiture bleue et un Rubik's Cube. Cette chambre semble avoir peu d'intérêt, bien qu'ayant du potentiel, il faut le dire vu ce qui va suivre. Il tente maintenant de dessiner le visage de Kerr avec les sourcils de Mike, faisant donc l'opération inverse, chose que le jeu encourageait possiblement avec les feutres dans la chambre de Kerr, ce qui pouvait faire référence au fait de lui dessiner des sourcils, bien que d'autres interprétations soient possibles à ce sujet. La chambre est violette, les murs possèdent des ronds, des fleurs et des routes, le sol des ronds, des engrenages et des barres. Les objets sont des cubes à lettres avec un C rose, un R jaune et un E bleu qui permettent presque d'écrire Kerr, et un objet censuré au montage. C'est cet objet qui semble réellement être intéressant, puisque Paul semble totalement choqué de le voir ici, déclarant que ça ne peut être qu'une coïncidence, comme si cet objet était directement relié à quelque chose de réel et personnel. So this is Care with Eyebrows.
I put Mike's eyebrows on her. I could have put other eyebrows on her, but I didn't. I put Mike's on her. I don't know if this... I can't tell. I can't tell if it recognized it or not. Because everything looks like any other room. Except it puts this here. Except it puts this. I don't know, maybe that's just something that it puts in any room. L'épisode se termine avec un message à l'écran, rajouté au montage, indiquant « Nous avons dû couvrir quelque chose avec un rectangle noir. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire pourquoi. D'autres choses que nous pourrons censurer dans le futur. Un grand cadeau avec une étiquette, quelque chose sur un mur dans une maison noire, écrit sur un tableau noir. » Cet épisode est déjà très riche en nouvelles informations. Dans l'ordre, il y a d'abord la mystérieuse musique qui réapparaît. On ne sait encore rien d'elle, mais elle a définitivement une certaine importance. Ensuite, nous allons pouvoir parler de la transformation de Tool. Pour le moment, nous n'avons rencontré que Tool rouge et rose, mais d'autres couleurs seront possibles plus tard dans le jeu à d'autres endroits. Ce qui laisse penser que ces couleurs ont encore une fois une signification. Et pourquoi pas alors lier tout ça à la Color Theory? Rappelons au passage ce qu'est la Color Theory. Cette hypothèse veut que les couleurs utilisées dans le jeu soient chacune significative d'un personnage principal de l'histoire. Claire en jaune, son père en vert, sa mère en bleu, Mike en rose, Tiara en violet et le créateur du jeu en rouge. On peut ajouter à cela la Pet Theory qui veut que chaque animal d'Evencare soit lié à un de ses persos et nous allons en reparler plus amplement aujourd'hui. Dans ce cadre donc, Tool serait considéré comme possédé par les personnages que l'on connaît, à savoir le créateur du jeu, l'auteur, pour Tool rouge, d'où ses réponses réfléchies à de nombreuses questions puisqu'il a tout créé, et Mike, pour Tool rose, d'où sa façon de s'exprimer plus enfantine et possiblement naïve, et ses références à des situations de violence en lien avec un certain Marvin, dont l'identité sera bientôt rendue claire, étant donné que sa mort juvénile et le thème des violences sur mineurs du jeu étaient sûrs d'aller ensemble, à vrai dire. Pour finir l'épisode, on a eu la possible première apparence d'un véritable dialogue du jeu avec Paul, comme Paul le décrivait dans un épisode précédent. Le jeu ayant possiblement récupéré une information de la vraie vie concernant notre protagoniste qu'il n'avait aucune raison d'avoir, et la lui ayant montré, faisant ressortir également une sorte de conscience. On peut tirer tout ça de la réaction de Paul à ce qu'il a vu, mais pour le moment, il reste très sceptique et considère que ça pourrait être un hasard. On peut aussi noter que le monteur parle au pluriel en disant « nous », indiquant que plusieurs personnes sont derrière la vidéo, encore que cela pourrait être Paul et son ami, mais aussi que ces personnes savent déjà une bonne partie des objets qui seront censurés par la suite, indiquant que les enregistrements de Paul sont déjà, jusqu'à un point assez éloigné, en leur possession. Ceci clôt donc cet épisode de Petscop, je te laisse reprendre Enzoul. Petscop 8 inaugure le mois de mai, puisque sorti le 9 mai 2017. Paul semble ne plus savoir quoi faire pour avancer dans le jeu et jouer avec son environnement au hasard. Dans ce cadre, il s'amuse à passer sur la route dans le New Maker -1 et à observer le fonctionnement du passage des voitures. Mais au bout d'un moment, une personne sort du tunnel à la place d'une voiture. Celui-ci est en vérité le personnage vu au moulin quelques épisodes plus tôt, sans être sombre cependant. Son avatar est lui aussi un New Maker mais avec une sorte de gloobie boulga vert sur la tête, qui est en vérité censé être une sorte de masque. C'est une sorte de masque New Maker donc. Mais de par la couleur du dit masque, le vert, de par ses actions, sa recherche de sa maison et de l'école, déjà décrit par lui-même et par Tool rose, et de par le fait que Paul le dit directement, vous comprendrez assez vite qu'il s'agit du père de Kerr, Marvin. Et là, on vient de faire une grosse fusion de perso. Yay! Ce dernier semble fuir Paul qui tente de le suivre. Il s'arrête d'abord devant la photo de l'école. Lorsque Paul la regarde, Marvin tourne sur lui-même plusieurs fois avant de repartir. Il s'arrête à nouveau devant la photo de sa maison et répète les mêmes actions lorsque Paul inspecte l'image. Il continue ensuite son chemin vers le bas, mais tourne après vers la gauche, dans le mur, comme s'il voulait atteindre une sorte de quatrième image. De la même façon, il finit par tourner sur lui-même, puis continue vers la gauche contre le mur longuement, avant de foncer à pleine vitesse vers le haut. C'est bien que Paul pense même qu'il s'est envolé à l'étage d'au-dessus, mais ne l'y trouve pas, évidemment. Plus tard, Paul revient sur les lieux de la disparition, semblant cette fois être en appel avec son ami. Yeah, well, the thing is, it's not here now. There's not even a passageway or anything. Can you remember when you saw this?
Well, it could have changed between then and 2004. After 2004, my mom had it reportedly. Certaines informations très intéressantes ressortent de cette conversation. L'ami semble déjà avoir vu quelque chose à l'endroit de la disparition de Marvin, et Paul lui demande si les choses auraient pu avoir changé entre maintenant et 2004, puisque sa mère possédait supposément le jeu depuis 2004 au moins. Ceci signifie que l'ami aurait vu le jeu avant cette date de 2004. Que ça ait été en y jouant ou en voyant quelqu'un y jouer. À un moment ou à un autre donc, mais comme il ne croyait pas Paul au début du let's play, ne s'en souvenait plus. Ceci sera intéressant plus tard, vous verrez. Passons cependant à l'épisode suivant, Petscop 9, sorti vers la fin du même mois, le 24 mai. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent. En effet, tout semblait plutôt compréhensible jusque-là. Mais à partir de maintenant, le montage va commencer à sauter des détails assez importants à la compréhension générale de ce que Paul fait, et il va bien falloir s'accrocher pour suivre. Le premier clip qui compose l'épisode est une scène de démo. Dans les jeux vidéo, ce type de scènes apparaissent lorsque le joueur laisse tourner l'écran titre assez longtemps sans rien faire, et sont censés présenter le jeu, et donner envie d'y jouer d'une certaine manière. Il semble que ce soit la même chose ici, puisqu'on retrouve l'écran titre, mais sans aucun son. Donc Paul l'a probablement laissé tourner tellement longtemps que la musique s'est terminée. Newmaker, l'avatar sans que Paul ne le dirige donc, se trouve dans Evencare, sans aucune pièce et avec une configuration de porte ouverte et fermée différente de la normale. Ce n'est donc pas la partie de Paul. L'avatar se rend dans la salle de peine. Le tapis roulant affiche 16 et Newmaker commence à le réduire ce chiffre jusqu'à atteindre 3. Puis, il attend un certain temps et reprend soudainement pour arriver à 0, ce qui marque la fin du clip. On ne peut évidemment pas mentionner ce clip sans parler du fait que c'est la première itération directe d'un thème assez massif de Petscop, la synchronicité. En effet, ce clip se synchronise parfaitement avec une partie de Petscop 2 quand Paul retire les pétales à la fleur qui retient la plateforme de Care NLM. La nature exacte de ces démos est alors inconnue et nous allons simplement ignorer ce sujet pour l'instant. On retrouve Paul qui essaie de réaliser quelque chose avec les escaliers menant à Care NLM. Il tente de suivre l'autre lot d'instructions qui se trouvait avec la note du jeu. Il descend les escaliers jusqu'en bas et, au lieu de continuer, il tourne vers la droite pour devenir un Shadow Monster Man. Newmaker, son avatar, devient alors tout noir, comme l'était Marvin lors de la scène du moulin, ce qui lie probablement ce dernier à la partie de la note qui mentionnait le sujet. Il se rend justement à l'emplacement du petit moulin et remarque immédiatement que le moulin est présent. Ce que ça signifie, c'est que seule la caméra et un personnage en Shadow Monster Man pourraient accéder au moulin dans le jeu. Il entre dans le bâtiment et se retrouve face à un possible personnage représenté uniquement par un buste, habillé de rose ou de violet, avec un visage sans sourcils très similaire à celui de Care, qui semble comme monté sur ressort sur une étrange machine composée de pièces, la monnaie du jeu je rappelle. En utilisant un petit tool blanc ou jaune à proximité, il semble réussir à en extraire 50 pièces et le personnage disparaît. Le moulin se met alors à faire du bruit, et alors qu'il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, il tourne à présent dans le sens inverse. En revenant plus tard sans être en Shadow Monster Man, et sans qu'on sache exactement comment il est redevenu normal d'ailleurs, possiblement en relançant le jeu ou en descendant les escaliers normalement par exemple, on ne sait pas, Paul s'aperçoit que le moulin est à nouveau absent et dans le même état qu'auparavant, mis à part qu'il entend toujours le bruit comme s'il tournait toujours dans le sens inverse sans qu'on ne le voie. Paul décide d'entrer le visage de la personne qu'il a vue dans le moulin dans la Child Library. Il obtient immédiatement le message « Tu l'as trouvé », montrant l'importance de ce personnage. La chambre est blanche, avec des murs composés de ronds et d'engrenages, et un sol avec des ronds, des triangles équilatéraux et des engrenages. Les objets sont un tool rouge et un moulin. En entrant, il fait à nouveau face au thème de la dualité puisqu'il se retrouve face à une copie conforme de lui-même, un autre Newmaker, qui réalise les mêmes mouvements qu'il réalisera quelques minutes plus tard, se rendant dans le passage au fond à droite de la chambre. Cependant, Paul ne semble pas être dérangé du tout par ça. Peut-être ne le voit-il pas. Et nous allons devoir faire une petite pause là-dessus. Ces événements semblent faire écho à ce que disait l'auteur dans la chambre de Care. « Quand tu trouveras sa chambre, le passage à ma droite te mènera à elle. Elle apparaîtra de l'obscurité, faiblement. » Je le tirerai dans la tête. Le fait que le créateur du jeu dise « sa chambre » veut dire que la personne qui possède cette chambre est importante. Or, c'est ce qui semblait être dit à l'entrée de la Child Library. Et il faut également que ce soit une personne qui soit importante d'autant plus à la personne à qui il parle, c'est-à-dire Marvin. Et ça semble plutôt bien correspondre donc. Le problème, c'est que l'auteur disait que le passage à sa droite mènerait à elle, et qu'il la tuerait. Il y a en effet un passage à droite, mais rien de ce qui est décrit ne se déroule ensuite. Alors, qui est l'autre Newmaker? Est-ce que c'est notre auteur, ou une version de Paul du futur? Difficile de trancher pour le moment. Au fond de la chambre, il trouve une nouvelle note. Tu dois l'avoir deviné, mais j'ai fouillé dans tes affaires. J'ai trouvé la photo de toi en 1977, debout, devant un vieux moulin avec ton ami. Tu y es allé, et c'était une mauvaise idée. Ton ami et le moulin se sont tous les deux évaporés dans l'air.
Sa sœur a vu l'appareil photo. Elle a pris une photo quelques minutes plus tard. Juste toi. Pas de moulin et pas d'amis. Tu t'es marié à sa sœur et quelques années plus tard, ton ami a vécu une renaissance en votre fille. Ta femme n'avouera pas que c'est vrai, mais moi je le sais, parce que j'en ai trouvé la preuve. Ton ami n'est jamais revenu avec toi et le moulin était parti. Je suis allé moi-même pour voir. Où est-il? Qu'as-tu fait? Rainer, Newmaker. Ce message est d'une importance capitale puisqu'il donne enfin l'identité de l'auteur du jeu, Rainer, et lui donne à lui aussi le titre de Newmaker, d'où la question que je posais il y a quelques secondes. On obtient également la probable première confirmation de crime de Marvin sur la sœur de sa future femme en 1977, qui serait réincarnée en leur fille, Kerr, donnant une idée plus appliquée du concept de renaissance. Une autre conclusion peut-être faite, mais nous y viendrons juste après. Paul prend ensuite enfin le chemin sur la droite. Il obtient un écran de chargement avec une pièce et arrive dans une salle au bout de laquelle se trouve un gâteau auquel il manque une part entourée de deux cadeaux à droite et à gauche. Derrière se trouve une image mouvante d'un banc dans l'herbe avec un moulin de papier jaune et la part de gâteau manquante. Ce qui représenterait donc Kerr et qui prendra tout son sens lorsque l'on saura où se trouve ce banc exactement. Paul ouvre les cadeaux, celui de droite contenant une clé verte. Celui de gauche en revanche contient une gigantesque pyramide rouge censurée au montage et qui semble énormément choquer Paul. What the fuck? Comme si c'était quelque chose d'obligatoirement personnel, contrairement à l'objet censuré précédent qui aurait pu être un hasard. Il y a un cut, et au plan suivant, la pyramide a totalement disparu. Paul trouve une sorte de cabane dans la salle qui contient elle-même un troisième cadeau. Lorsqu'il l'ouvre, la caméra entre dans le cadeau, et on entend un chœur chanter sur un fond noir pendant une quinzaine de secondes, sans qu'on sache exactement pourquoi. On retrouve alors Paul directement dans le Newmaker Plane, possiblement sans aucun cut, ce qui voudrait dire que le cadeau mènerait ici. Mais on n'en sait trop rien vu que l'écran précédent était noir. Il est difficile de voir une coupure au noir quand le fond est déjà noir. Mais il faut dire que s'il y avait une coupure, eh bien encore aujourd'hui je ne pourrais absolument pas vous dire comment Paul est arrivé à cet endroit de la carte. Il trouve rapidement un bâtiment similaire à celui dont il était sorti quand il était arrivé d'Evencare pour atteindre la zone secrète du jeu. Mais celui-ci n'a pas la même forme et possède un bloc avec un symbole dessus. En entrant dans le petit bâtiment, il se retrouve dans la salle dont l'arrière-plan possède le même symbole que sur le bloc et qui est celle qu'il n'avait jamais pu visiter, ne pouvant pas ouvrir la porte dans PESCOP 1. Il se rend dans la salle du piano et fait passer le compteur du tapis roulant à moins 1. Il essaye ensuite de partir mais le jeu semble friser, ce qui l'oblige à relancer. On peut au passage remarquer que plusieurs portes qui étaient ouvertes précédemment sont fermées, alors que celle qui était fermée est ouverte, en plus du fait que le piano est totalement absent. On retrouve directement Paul dans le Newmaker -1, où il peut récupérer Kerr NLM. En effet, si vous vous souvenez bien de notre vidéo précédente, elle était inaccessible, car sa plateforme était surélevée si les pétales sur la fleur dans la salle au-dessus étaient plus de 0, mais elle devenait glitchée si les pétales étaient dans un nombre pair comme 0. Or, on a vu avec la démo en début d'épisode que la fleur semblait directement liée au tapis, lien accentué par la présence d'un bloc au symbole de la salle du piano, derrière la plateforme surélevée par la fleur. Ainsi, comme Paul a placé le tapis à moins 1, on peut supposer que la fleur a moins une pétale, un nombre inférieur ou égal à 0 et impair, ce qui rend Kerr NLM accessible. Le jeu va également faire noter cette tricherie dans la description de Kerr NLM obtenue après que le menu pause ait pu nous donner un indice sur la démo. Tu es dans l'autre endroit aussi, que l'on gardera pour plus tard. Kerr NLM s'est échappé du sous-sol de l'école et a erré dans le Newmaker Plane pendant des jours. Pour l'attraper, tu as dû mentir. Mais ce ne sera peut-être pas un mensonge pour toujours. Tu es le Newmaker, tu peux transformer Kerr NLM en Kerr A et refermer la boucle. Cette description concorde avec ce que Rainer avait dit sur Kerr et Marvin plus tôt. Marvin l'avait emmené à l'école et Kerr en est reparti en s'enfuyant, totalement détruite. On ajoute ici qu'elle était retenue au sous-sol donc. Paul va ensuite au contact du bloc et le clip est soudainement coupé. On retrouve Paul à la Child Library où il dépose Kerr NLM malgré les commentaires très sarcastiques du jeu, lui montrant qu'il l'abandonne et fait exactement ce qu'il ne devrait pas faire, le tout simplement pour essayer parce que c'est possible. Il obtient alors le message de pause, les animaux semblent vraiment apprécier, merci de jouer à Petscop. Il va ensuite récupérer Kerr NLM dans sa chambre et terminer l'épisode. Ce que Paul fait ici est encore très cryptique, mais on peut tout de même déterminer certaines choses concernant le message dans la chambre de la personne dans le moulin, à savoir son identité puisque c'est la sœur de la mère de Kerr. On le sait car Marvin est intéressé par l'idée de faire renaître cette personne en sa fille, et simultanément satisfait que cette même fille n'ait pas de sourcils, ce qui en ferait sa prochaine victime. Ceci est en fait dû au fait que la personne que Marvin veut ressusciter d'une certaine façon n'avait pas non plus de sourcils, ce qui les rend physiquement très proches donc. Ajoutons à cela bien évidemment que le buste de la personne est trouvé dans le moulin, ce même moulin qui comme décrit disparaît donc avec une personne dedans en début de vidéo, cette personne représentant donc la sœur de la mère de Kerr. À savoir, si on veut aller plus loin, la fameuse tiara.
déjà par le lien de la Bible probablement violée, mais surtout de par le fait que c'était Tiara jusque-là qui semblait liée à l'idée de renaissance, d'autant plus avec tout le rouge qui disait bien ne pas être Tiara, comme si ça pouvait prêter à confusion, et de par ce qui se dira par la suite. Et ça nous permet enfin d'avancer dans la Pet Theory, puisque si vous vous souvenez bien, nous avions déjà assigné Tunef, Randis et Humber. On peut maintenant ajouter Wavy à la liste, puisqu'elle représente Tiara, la personne qui permet à Randis, Marvin donc, de vivre, étant son but ultime. Fort bien tout ça, mais nous allons avoir besoin de la suite maintenant avec Petscope 10, sorti à la fin du mois de mai, le 31, où l'on retrouve Paul dans Evencare, dans la même configuration d'ouverture de porte que la dernière fois. Il se rend dans la salle d'Ember et joue avec les portails de sa cage. Il finit par les laisser tous les deux ouverts, et tente alors de quitter Evencare. Cependant, une porte se ferme juste devant lui lorsqu'il souhaite s'y rendre. Suite à cela, le jeu crash ou est relancé de force par Paul avec le bouton reset de la PlayStation. Ce n'est pas clair avec sa réaction contrairement à la dernière fois. Il relance le jeu et nous permet de voir ses sauvegardes, car il en a maintenant trois. Sa sauvegarde principale, Paul, une sauvegarde test, qui est probablement celle dont il parlait lorsqu'il disait à la fin de Petscope 6 que rien de ce qui lui était arrivé n'était réarrivé dans une deuxième sauvegarde, et pour finir, une sauvegarde backup, qui semble être une copie de sa sauvegarde normale. On peut voir que sur la première et la troisième sauvegarde, un message d'erreur s'affiche indiquant une possible corruption sous le terme panique SV. On peut alors probablement comprendre ce que Paul fait depuis le dernier épisode, d'autant plus qu'il se retrouve directement face au troisième cadeau dans la cabane lorsqu'il recharge sa sauvegarde. Lorsque le jeu freeze, ou que Paul le relance brutalement possiblement, celui-ci effectue une sauvegarde très rapide du monde de Petscope, mais pas de la position de Paul, une sauvegarde en panique, panic save. Ainsi, le jeu ne voulait pas, dans ses règles, permettre à Paul de laisser le tapis, et donc le nombre de pétales de la fleur à moins 1. Il crache, mais en crachant, il a sauvegardé cette valeur malgré tout, et a replacé Paul dans le New Maker Plane. Celui-ci a alors pu chercher Care. De la même façon, le jeu ne peut pas laisser Paul partir d'Evencare avec la cage d'Amber totalement ouverte, probablement parce qu'Amber, bien qu'absente car dans l'inventaire de Paul, ne doit pas pouvoir s'échapper et essaye même un minimum de partir. Il a donc fermé une porte sur le chemin, puis crash, ou bien Paul qui avait déjà compris ce système a relancé brutalement le jeu. Et donc, quand Paul recharge sa sauvegarde, on voit directement que malgré le fait qu'il a été physiquement replacé en arrière, son ouverture des deux portails de la cage a tout de même eu lieu. La différence avec l'énigme de la fleur et du tapis roulant, cependant, c'est que vous ne voyez probablement pas pourquoi il est extrêmement important que Paul ait ouvert ses grilles. Et vous ne le comprendrez pas totalement avant que l'on parle de Petscope 12 dans la prochaine vidéo en fait. Mais une partie de l'énigme est déjà assez claire, vous allez voir. Notre protagoniste retourne vers la Quitter's Room, mais là où il avait toujours été à droite de la salle, la gauche étant fermée, il peut maintenant à minima atteindre la gauche. On ne voit pas l'entrée à droite, donc on ne peut pas dire. Mais la gauche est ouverte pour la première fois. En entrant, en plus de voir qu'il est 5h05 du matin ou de l'après-midi, on voit que cette moitié de la salle fonctionne exactement comme l'autre, avec Quitter Newmaker en reflet à droite cette fois-ci, à l'exception qu'un bloc avec le symbole de la salle d'Ember est présent. Paul entre en contact avec et le clip se coupe. Et là, vous devriez avoir tous les éléments pour comprendre, et pourtant probablement que vous ne comprenez pas quelle était l'énigme exactement. Ces deux salles, la Quitter's Room et la salle d'Ember, sont liées. Alors pourquoi Paul ne pouvait jusque-là accéder qu'à la partie droite de la salle? Et qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse maintenant atteindre la partie gauche également? Ça semble assez évident dit comme ça. Les grilles de la cage d'Ember, c'est la seule chose qui a changé. Au début du let's play, Paul n'a laissé que la grille de droite d'ouverte, n'ouvrant que la droite de la Quitter's Room. Mais maintenant, il a ouvert les deux côtés de la cage, et donc de la salle. C'est aussi simple que ça au final, et ça prendra son importance la prochaine fois. Bref, finissons l'épisode. Paul se rend maintenant dans la salle de Toul et pose des questions à Toul Rouge. En quel mois sommes-nous? Soit quoi Toul lui montre un calendrier rouge vide. En quelle année sommes-nous? Bon, avec encore la même réponse. Et pour finir, après un cut, où était le moulin? Soit quoi la réponse est censurée au montage. Et d'autant bien que Paul a donc eu une réponse à cette question, mais pas nous. Mais aussi que ce n'était pas une chose annoncée comme censurée à l'avance. Tous les objets censurables ne nous ont donc pas été annoncés. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Passons tout de suite aux diverses choses à noter. Nous vous avons déjà expliqué les deux énigmes principales sur la liaison des salles du Gift Plane et du New Maker Plane. Mais quelques détails dont nous n'avons pas discuté ressortent. Déjà, il y a une troisième énigme de liaison que nous n'avons que brièvement mentionnée et qui est celle du petit bâtiment pour remonter à Evencare, dans la salle inaccessible jusque-là. Évidemment, ça pourrait être aussi simple que la porte mène à la salle sur le symbole. Mais certaines bizarreries entourent cette énigme, à commencer par le fait qu'on ne sait tout simplement pas comment Paul a atteint le bâtiment qui permet de remonter. On suppose qu'il a été téléporté là en entrant dans le troisième cadeau, surtout qu'il y repasse dans Petscope 10 avant d'aller vérifier que la cage d'Amber est restée ouverte, mais au final rien ne nous le prouve vraiment. Sur ce troisième cadeau justement, on peut noter que la première fois qu'il y entre on entend un cœur, sans qu'on sache pourquoi.
Et la deuxième fois, ce cœur ne semble plus être présent. Une autre pièce de ce puzzle est le fait que, lorsque notre protagoniste retourne et veut une carte par là, la disposition des ouvertures et fermetures de portes semble parfaitement correspondre à celle qu'on voyait dans la démo au début de l'épisode 9, et donc pas à celle qu'il y avait en début de jeu. Le dernier détail à noter est le fonctionnement des blocs à symboles qui nous semblent dans notre système actuel ne servir qu'à indiquer une liaison entre la salle où ils se trouvent et la salle aux symboles qu'ils indiquent. Mais malgré cela, Paul finit toujours par essayer de les toucher, ce qui se suit directement par un cut au montage. Cela laisse à penser donc qu'une chose se passe lorsque le protagoniste fait cela, mais on ne sait pas quoi. On pourrait commencer à échafauder une interprétation de tout cela, mais mieux vaut attendre plus d'arguments pour être sûr de nous. Nous y reviendrons donc dans la prochaine partie de notre analyse, la prochaine fois. Et en parlant de prochaine fois, c'est ici que prend fin cette vidéo. Mais ne partez pas tout de suite, je vais conclure sur ces épisodes, particulièrement sur ce qu'ils ajoutent à l'histoire, parce qu'on ne le fera pas tant que ça dans la partie suivante. Du coup, les vidéos 7 à 10 de Petscop sont le début d'un tournant dans la série. Jusque-là, les 3 premières vidéos avaient su nous présenter les règles générales du jeu et son environnement. Mais à partir de Petscop 6, Paul en a quasiment totalement fait le tour, et va devoir commencer à explorer les mécaniques que le jeu lui a cachées jusque-là. Ceci associé à un montage qui est soudainement devenu extrêmement cryptique, et nous comprenons très vite pourquoi. Tout ceci rend la compréhension de la série de plus en plus complexe, et je vais vous le dire franchement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ainsi, il est à présent assez clair que nos soupçons étaient bons. Petscop parle de violence sur des enfants. On sait maintenant plus précisément par qui, Marvin, sur qui, sa fille Claire et probablement le jeune Mike, et plus que probablement pourquoi, ramener à la vie son amie Tiara, disparue mystérieusement avec le moulin en 1977. On sait également que tout ceci nous est raconté par Reiner, le créateur du jeu. Mais à partir de maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle phase de la recherche. Nous avons les grands éléments, les faits, mais les détails, leurs raisons exactes, nous manquent. Comment Tiara a-t-elle disparu? Pourquoi Marvin fait-il une fixette pareille sur elle? Qu'est-il arrivé à Mike et à Claire plus précisément? Pourquoi Reiner a-t-il fait un jeu sur cette histoire, surtout sachant que ce jeu était destiné à Marvin, qui était forcément déjà au courant de tout? Et pour finir, quel rapport Paul a-t-il avec tout cela? Eh bien, nous pourrons enfin commencer à répondre à ces questions en parlant de tout ce qui mène à Petscop 11 et de Petscop 11 lui-même la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour soutenir ce type de vidéo. Encore une fois, la prochaine partie ne devrait normalement pas trop tarder, j'ai pas donné de date exacte parce que j'ai des choses annexes à préparer dans les jours qui viennent, et donc je peux pas vous dire exactement pour quand ce sera, mais pas d'inquiétude, ça devrait venir très vite. Quoi qu'il en soit, je vous mets sur la gauche de l'écran ma vidéo sur ce qu'est une théorie, étant donné que vous regardez une série de théories, ça devrait vraiment vous intéresser si vous ne l'avez pas encore vue, faites-moi confiance, et sur la droite, ma playlist de vidéos sur Deltarune. Et sur ce, je vous laisse, Captain Hype, out.